Café tout le monde, bienvenue dans Causé Tech. Je dis encore une fois de plus, nous avons plaisir pour nous recevoir Nieb Zéphirin, qui est un professionnel senior qui travaille dans une pique ou banque qui dans un pays. Nieb, merci parce que vous avez l'invitation Causé Tech là, et bienvenue. Bonjour Gaël, bonjour tout internaute et tout abonné Causé Tech. Si que vous pouvez abonner, vous êtes capable de cliquer dans la petite cloche qui paraît en bas pour que vous êtes capable de recevoir toutes les notifications de la nouvelle vidéo. Bonjour Gaël et bonjour tout auditeur. Nieps, nous connaissons la faire face à une pandémie mondiale et brusquement, côté que tout le monde, toute entreprise, décide pour faire emploi au travail à Kayo, bien qu'avant, ça c'est un bagage qui a commencé à la mode, mais qu'on y a, c'est la norme mondiale. Tout le monde a travaillé à Kayo pour éviter une pandémie à propager. Qui expérience que vous gagnez pendant que vous travaillez à Kayo et qui conseil que vous pouvez faire à monde qui travaille à Kayo? Bon, moi personnellement, de par expérience que moi fait, parce que moi pratiquement gagné 2 mois depuis que moi travaille directement à la maison. Et son expérience que bien aimé, mais grâce à l'informatique, et nous gagne accès à toutes ressources entreprises là pendant que nous travaillons la caille. Mm-hmm. Donc pour moi même pas gagné aucune différence que ce soit que monter au bureau et par rapport à ça que moi gagne la caille, parce que automatiquement que VPN m'a connecté, on y a accès à toutes ressources et que moi capable bien d'être au bureau pendant que moi à la caille. Tout simplement à la maison c'est différent, ou pas gagne un bureau confortable, ou pas gagne une chaise pour cager sous dos, mais tout simplement ou gagne accès à toutes ressources, ou capable répondre email, et peut-être que ou capable moins productif dépendamment de l'environnement que ou a évolué le que ou à la maison, parce que à la au bureau capable gain des suivi pour faire et ou concentrer exclusivement sur suivi yo à ce moment pas gain d'autres personnes qui a dérangé ou et à la maison gain avantage là tout c'est que ça qu'arrive que les bientôt continue ou sous cabane ou commencer travail puis et au cours de la journée ou bien on ben première fois deuxième fois, donc dépendamment de environnement qui a évolué, donc travailler à la maison capable beaucoup plus avantageux pour un monde qui a travaillé la caille. Même expérience par moi, c'est que moi préférer que moun yo établi une certaine routine, établi une certaine discipline côté que ou essayer make sure que ou travail ou faire comme si c'est notre travail qu'on t'a voilé ou lever dans l'heure qu'on connait lever ou commencer travail à l'heure qu'on travaille en façon pour que ou capable productif le maximum que possible et que ou pas essayer penser que parce qu'on la caillou ou gagner le luxe ou le plaisir pour que les aînés sont ensemble de tâches juste faire la mi-temps plage d'heure ou qu'on travaille là, si c'est 8 heures, 5 heures, ou qu'on soit capable de focus, qu'on est de telle période à telle période, parce que tendance qui gagne, hein, c'est que ou on a l'impression qu'on travaille plus, parce que ou travaille n'importe qui le lovely. Yeah. Donc, si on capable d'essayer de mettre routine, travail en discipline, là, mieux. Maintenant, on travaille là, oui, allez-y. Non, en fait, on n'a pas dit que dans le cas, dans l'expérience personnellement, moi rendement compte que moi bail beaucoup plus de travail par rapport à routine que moi généralement quand j'ai au bureau. Par exemple au bureau dès que les 5h 4h tendance là c'est que faut quitter. Il y a l'insécurité, il y a le trafic, donc obligé pour même pour quitter à temps pour capable arriver la caillou le plus tôt possible. Mais à la maison on pas gagne contrainte ça. Et là que on pas gagne contrainte ça, temps de travail là augmenté automatiquement. Récemment, moi réalisé que j'ai des emails que me voyez, il était 11h minuit. Donc avec et problème d'internet que nous gagne ici en Haïti et avec majorité monde qui finit travailler à la maison, les vins impliquent que gagne une lenteur dans niveau et flux de internet. Ça vient cause que gagner certaines tâches ou du moins certains suivis qu'on pas arriver faire à temps à cause que internet ou là. Donc ça peut arriver que 6 7 8 heures ou style toujours à travail même l'heure que on a une petite rotation, un petit temps ou cap juste mettre ou cap juste déplacer ou quitter poste de travail ou mais retourner la tendance c'est que ou gagne un suivi pour te faire ou retourner sur ordinateur encore.
Comment un ensemble de décisions que Banque centrale ou bien Banque commerciale ont prend en Haïti pendant la période de confinement, coronavirus ça, et quel impact que coronavirus a eu sur les transactions en ligne en Haïti? Bon, première chose pour que nous, ouais, avant que nous, sous décision Banque Centrale prend, c'est que pour nous rappeler, c'est que Banque Centrale prend décision côté que je m'en pour Banque ouvrir chaque jour du lundi au vendredi et ceci de 9h à 1h. Donc, puisque nous-mêmes, système, en Haïti, nous avons un système qui fonctionnait avec essentiellement cash. Deux monde qui viennent avec 2500 gouttes déposer qui ouvrent un compte. Et puis 3 jours plus tard, mon a tourné la banque là, il a retiré 500 gouttes la dernière. Et 15 jours plus tard, mon a vint avec 3000 gouttes, l'y déposer, ainsi de suite. Donc, nous gagnons une série, nous avons un système qui fonctionnait essentiellement avec cash. Donc, transaction électronique, c'est au fur et à mesure que la prend place. Malgré qu'on pile banque fait effort pour offrir des solutions alternatives à clientèle, mais ceci n'empêche que système nous a fonctionné essentiellement avec cash. Malgré que nous offrions une entreprise alternative pour que les utilisent online banking, l'entreprise a toujours retrouvé le mieux dans envoyant une instruction manuelle. Donc, l'inconvénient que une décision ça vient gagner, c'est que les réduit considérablement le temps que clientèle a gagné pour accéder à banque. En Service là. conséquence, mais ça, c'est inconvénient. Mais l'avantage, c'est que l'État suppose être capable de booster alternative électronique. Donc, par exemple, nous avons des banques qui offrent des cartes bancaires, mais ça, t'a supposé un boost, un booster pour que toute carte bancaire, tout le monde vienne solliciter des cartes bancaires. Moi-même, ça me fait 2 mois que Benjamin a le travail, mais ça fait 2 mois que tout le monde va fréquenter le système bancaire. Toute transaction que j'ai besoin de faire, que ce soit moi utiliser et plateforme en ligne, yo, que ce soit moi utiliser mobile paiement. Donc, ça fait que moi, pas moyen cash proprement dit, mais c'est uniquement, je dirais que c'est parce que moi-même, moi, j'ai une capacité. Hein. Donc, majorité utilisateur de système bancaire, yo, ou du moins, pas système bancaire en ligne, mais client, yo, yo pratiquement pas gain accès à système en ligne, yo, vraiment. Donc, inconvénient qui vient gain, c'est qu'on toujours observer de longues lignes, moun ki nan, ki après chercher service bancaire, et inconvénient qui gagne dans tout ça, c'est que moun ta ou exposé davantage, puis ou capable d'infecter par rapport à maladie. Ça veut dire, il va même qu'à profiter de frais que vous retirez sous différentes transactions en ligne. Mais, faut qu'on dise que majorité moun ki nan ligne, c'est de moun ki pa fait dépôt ou retrait. Donc, et annulation de frais sous transfert et locaux que Banque Centrale fait, hein, pas vraiment impacté clientèle, ça, parce que clientèle, ça, c'est pas transfert locaux que l'IPA le fait. Ou qu'à étonner que malgré transfert locaux, hein, c'est gratuit que lié à partir de décision Banque Centrale, là, pas étonné que des gens qui préfèrent aller dans Banque Centrale, ils font en ligne, ils font retrait comme là, et puis là, ils font en ligne dans l'autre banque pour le faire dépôt. Hein. Donc, ceci, c'est pour montrer que, utilisation technologie, utilisation plateforme en ligne, il y a une catégorie que l'IPAP jamais arrivé pénétrer. Même la solution, ça, elle est moins coûteuse. Mais il y a une catégorie que l'IPAP jamais arrivé pénétrer. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que, et pas qu'on a vu ça gagner sous le monde technologique, est-ce que vous pas pensez que vous allez gagner des nouveaux métiers qui en vogue, du moins métiers informatiques, là, de plus en plus important, plus demandé. D'une manière générale, qui impact vous pensez que coronavirus a gagné sur les technologies, que ce soit en Haïti ou à l'étranger? Métier informatique, là, c'est toujours un métier qui clé que même le patron, t'es toujours minimisé, lui, parce que l'informatique, là, c'est lui-même qui menait l'entreprise. Dès que vous pas informatique, l'entreprise n'a qu'à camper. Même le que l'entreprise a campé ou ignorer que bon informaticien qui derrière tout ça, qui gère l'infrastructure, là, qui permet que au style toujours à fonctionner. Donc, et métier informatique, là, fait que dans la période technologique, ça limite ou en valeur, limite ou en évidence, montre que tout ça qu'on a fait là, qui permet qu'on travaille à distance, confinement, bénéficier de tout ça qu'on bénéficie comme infrastructure informatique, il y a un groupe de technologie, il y a des informaticiens qui derrière facilitent tout ça. Donc, c'est ça qui fait que
Bah, tu sais que à partir de à partir de événement ça qui passait là, bah, c'est que il y a un petit gros conseil que m'ka bay tout patron, toute entreprise qui éventuellement a regardé émission ça, c'est penser à département informatique ou penser à infrastructure informatique ou penser à chaque grand technicien qui dans département ça, parce que moun sa yo n'était pas yo même entreprise ou t'es ka frise, t'es capable pas en mesure pour fonctionner. Parce que travail à distance, li gon kou, li gon ensemble de techniciens derrière tout ça, et pour que techniciens sa yo capable productif, pour penser à yo. Et penser à yo, li pas seulement ok, même doté département ça de d'autres infrastructures, de nouvelles ordinateurs, mais li doté li aussi lié à une question du salaire. Parce que généralement, yo traité informaticien par un pauvre, pendant ce temps, et l'autre moun yo traité en parent riche yo pour répéter un thème plutôt qui pas existé, mais que moteur entreprise nan pas vraiment généralement yo, parce que sorti de yon troubleshooting de yon pointer rive jusqu'à yon problème complexe de yon configurer un VPN ou du moins si yon configurer un serveur pour aller dans niveau qui plus élevé, c'est que tout enchaînement ça, chaque grain technicien qui impliqué là-dedans, il gagne rôle par lui et gagne importance par lui. Et tout ça a un coût qui est associé à lui. Donc faut patron yo penser à ça, parce que à partir de confinement, il y a un métier que peut-être que tu es capable de négliger qui vient gagner beaucoup plus d'importance dans tout le monde. Maintenant, ça c'est du point de vue technologique. Maintenant, du point de vue économique, on travaille dans le système bancaire là depuis presque au moins 5 ans. Qui impact quoi ça gagne sur cause économie en Haïti? Bon, nous même en Haïti, nous avons déjà une économie qui censé qui tape marché. Bon, pour n'oublie pas que nous dans une période pays lock que nous avons l'année dernière, pendant que tout le monde entier a fonctionné très bien, nous même nous avons fait macaque, boule caoutchouc, lock. Donc, l'économie, nous, t'es censé pas ta fonctionner. Donc, avec, et problème, ça, qui vient de venir, maintenant, c'est le monde entier qui est impacté. Or, quand le monde est impacté, États-Unis, qui gagne un diaspora considérable, qui a pour un peu l'argent en Haïti, en difficulté, plus de 16 millions de monde au chômage, rempli formulaire de chômage, yo, au chômage. Donc, nous-mêmes, en Haïti, nous venons gagner tout ça que nous gagnons comme conséquence, parce que l'économie, nous, était déjà au ralenti. Déficit budgétaire, nous sommes gagner dépréciation de la monnaie locale, la cherté de la vie. En fait, pays qui était moins préparé pour ça que nous vivons là-haut, qui c'est Haïti, eh bien, c'est eux qui ont payé conséquence là. Nous gagnons plus de 105 gouttes, nous besoin pour un dollar américain. Donc, tout produit première nécessité augmenté. Donc, ce petit avantage que nous avons, c'est que ces gaz-là qui ont augmenté pendant la période de confinement, hein, c'est que essayer que pour le maximum, si période ça capable de servir pour de l'opportunité. Par exemple, il y a un pile website, un pile université à l'étranger qui offre des opportunités, des études. Par exemple, il y a un IDX qui a un pile coût, et notamment un pile coût qui était payant, mais maintenant qui est gratuit. M'ap suivre Operation Management et Soyon pendant 90 jours. Donc, moi, que kouyo très, très intéressant. Et fait de période ça yon opportunité. Même là que moi, en pile réseaux sociaux vin beaucoup plus fréquent, mais même yon beaucoup plus captivant, c'est vrai, mais yon pas une opportunité pour. Il capable d'une opportunité pour faire plus de grimace sur réseaux sociaux qui pas petit loin. Hein? Mais fait que de période là, il y a une opportunité de manière à ce que ou apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Essayer d'identifier qui faiblesse que vous gagnez du côté port sur le plan professionnel. Et fait que de période ça, il y a une opportunité pour monter, surmonter faiblesse. Moi-même, ma taille dans une organisation, je réalise que je fais un test récemment. Et t'es gagné 26 monde sous Tesla, mais l'homme arrivé sous Tesla, sous bridge là, m'a réalisé que c'est en espagnol qui a fait et conférence là. Il y avait 26 personnes sur le bridge. Wow. Et écoute, ils ont changé de langue de espagnol vers l'anglais, c'est uniquement parce que c'est moi-même qui jeune bridge, qui monté sous col là. Donc automatiquement, m'a réalisé que
faut moins augmenter niveau de connaissance pour en espagnol. Donc ça gagne 5 jours moins fin fou pour parler espagnol. Donc mon bon ami cap bam booster cap aider écrit etc. Même les écoute n'a pas si mal que ça. Donc tout ceci c'est pour me dire que moi même pendant la période de confinement ça faut me faire en sorte que l'un sorti là dernier au moins moi passer de un pourcentage de 2% à au moins 8% dans langage espagnol. Parce que opportunité à là et où est faiblesse là. Une organisation pareille, côté que la majorité du monde qui va interagir avec eux parle espagnol, je ne vais pas mentir, ou obligé de parler espagnol parce que capable d'une opportunité de présenter ces espagnols pour ne pas parler à quoi pas jeune, même le que ça est capable de parler un problème. On peut se baser sur ça pour ne pas parler. Yeah, super. C'est très, très, très bon conseil. Merci un peu, Nies, parce que tu as accepté l'invitation à cause de tes clans et à la prochaine. Merci Gaël et nous saluons tous les internautes. Tout abonné Causetech et si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne.